Hop, hop, hop. Vite, 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 vite. Montez à bord. Hop, hop, hop. Allez, sautez là-dedans. Hop, hop, hop. Vite, le temps presse. On va jouer à Shippu Mao Daisakusen. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom à rallonge? Déjà, on va l'appeler Shippu, hein, ça sera plus court pour nous. C'est la première fois, la grande première fois de ma vie, je vous dis, que je vais jouer à un shmup de course. Quoi, je dis n'importe quoi, j'ai abusé. Non, 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 non. Kingdom Grand Prix. Un shmup de course. On va regarder la démo pour essayer de comprendre. Alors, apparemment, le jeu est fait de telle manière que va falloir vous faufiler votre chemin, comme d'habitude, mais en plus éliminer les ennemis et surtout ceux qui ont des bonus pour vous permettre d'augmenter votre jauge. Qui n'est pas de la jungle, on n'est pas dimanche. Votre jauge d'accélération de manière à pouvoir rester dans le peloton tête, voire même au rêve suprême, être premier de la course. Alors je vous avoue, j'ai fait un petit run juste avant pour essayer, parce que moi quand je suis arrivé sur ce concept de shmup de course, j'ai fait ouh, on me cache des choses depuis tout ce temps et on me dit rien. Il y a moyen que je me prenne une bonne dérouillée. Alors, en fait, vous allez voir que dans le jeu, il y a un petit problème. C'est que les déplacements ne sont pas faits pour les sticks récents et que je pense que la borne d'arcade devait avoir un stick analogique. Puis le gros problème qu'il y a, c'est pour se faufiler, tu te déplaces quasiment de 10 en 10 pixels tellement ça va vite. Alors qu'on prenne des tirs rapides dans la gueule, moi je veux bien, mais que le vaisseau, on puisse pas le placer à 2 pixels près exactement où on veut, c'est pas terrible, terrible. Donc la méga bombe toujours de côté, mais elle vous ralentit méchamment. Et après, il faut vite collectionner les bonus pour pouvoir remonter sa petite jauge, qui n'est toujours pas de la jungle, j'insiste. En espérant sur le radar, comme c'est indiqué tout à gauche, rattraper le troupeau de veaux. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bien, bah vous avez mieux compris que le jeu que moi, donc je vais vous laisser faire le stream. Comment ça, c'est pas sympa? Ok. Allez-vous, ça va être étrange. Il faudra pardonner ma marcussitude, on va dire. Non, toi, t'as l'air colère, toi. Du coup, je suis qui, moi? Ok. C'est moi le problème. C'est moi le problème, cassez-vous. Donc là, on voit que tout le monde est parti loin devant moi. Et que moi, je rame à essayer de buter les autres. À essayer de passer entre. Bref, à essayer, mais à pas vraiment avancer apparemment. Donc vous voyez les déplacements du vaisseau, du joueur, bah, sont super rapides, et du coup ils sont super chiants. Je vous garantis que là je suis sur un pad Xbox, je bouge à peine le pouce. Hein. Et là c'est les micro-vibrations, je peux pas faire mieux. Micro-déplacement. Oh je vois, je peux cancel un peu de la boulette. J'ai une petite chance de me sortir de ce total merdier. Ça se cancel pas madame. Mais non. Ce serait trop simple. Oui. Get it. Jette-toi dessous. C'est d'autres mots pour get it. Bon, ça s'est pas trop trop mal passé encore. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi je suis dernier. Et pourquoi cette musique a été faite par un gothique qui avait pris du LSD et croyait qu'il faisait de la Goa. Je crois qu'on va mettre beaucoup de crédit dans le jeu pour avancer un peu parce qu'il m'a l'air complètement tordu. C'est le Wacky Wheels, enfin les as du volant.
du shmup. Bah oui, mais je suis dernier, hein, puis ils m'ont pas semé juste un peu, genre ils étaient déjà en train d'installer le pique-nique. Je comprends pas grand-chose à ce jeu, et c'est son n'importe quoi en fait qui me fait beaucoup rigoler. C'est vraiment n'importe quoi. En fait, vous n'explosez pas quand vous prenez des projectiles. Bah, sauf les boulettes de tir, quoi. Mais quand vous percutez un autre joueur, voilà, vous ralentissez. Et vous rebondissez contre les parois. Tant qu'à faire. Histoire d'être complet. Ils sont déjà tous en train de me rattraper, j'ai l'impression. Oh, ça y est, je suis dernier. C'est n'importe quoi ce jeu. Ah, il est pas moche. Il est pas injouable. Mais il est particulièrement tordu. C'est-à-dire, il nous met dans une position où... C'est pas habituel pour quelqu'un qui joue à un shmup d'avoir le stress d'avoir une jauge de vitesse pour avancer plus vite. Tout en se tapant des boss, des ennemis, des tourelles, le contour, le relief. Enfin, le relief, c'est un 2D quand même. Mais voilà, faut passer dans les couloirs. Si on touche, on ralentit encore plus. Et là, j'ai aucun moyen de remonter ma jauge de vitesse. C'est dramatique. Beaucoup de drames dans ces streams, je trouve. Hurry up, je fais que ça, chérie, chérie. Donc moi je veux bien hurry up, mais je peux pas aller plus vite que mon vaisseau. Qui est un petit dragon, tout mignon d'ailleurs. Mais un peu trop rapide à mon goût. Enfin, un peu trop rapide en déplacement, c'est pénible. Bon, eh bien une fois de plus, je suis grand vainqueur si on part de la fin. Ah, Crossfire, ça va donner ça. Je passe. C'est moi devant, cassez-vous. Je vous déteste. Oula. Et oui, passe tranquille. C'est vraiment très tordu. N'aurais-je pas dû utiliser une de ces super bombes, comment dire? C'est un peu trop la foire au bonus là pour être honnête. Ah, les tirs par derrière, non, on a déjà vu. Je peux pas passer là-bas. D'accord. Oh, mais c'est tordu. C'est complètement tordu. Faut éviter les contours. Tout en essayant de choper les bonus. En esquivant les tirs. Ils sont fous les gars qui ont fait ça. Et les autres me doublent allègrement tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oh que t'es laid. Oh que t'es laid. Oh que t'as l'air méchant.
Ça va être super pénible de se faufiler dans tes tirs. Et je ne désespère pas. Comme c'est tiré comme un lâche. Bon, pourquoi je les rattrape pas, les autres? Je ne comprends pas. Il y a une grande inconnue dans ce jeu, je sais pas. Ou alors c'est totalement normal d'être le dernier, je ne sais pas. Non mais non mais non mais non! Alors la musique y a de tout, hein. Ça va du meilleur au pire. Mais comment j'avance? Scotty, donne un peu plus de poussée, s'il te plaît. Comment ça, elle est déjà à fond? Oh, un cadavre de requin bouffé par des vers, mais c'est. C'est méchant. Alors, ce jeu, on va le sélectionner. Parce que il a tout d'une anomalie, quelque part. On peut pas rester indifférent. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Puis on essaye de comprendre. Puis on se dit, oui, bah oui, c'est un shoot de course. Quoi? Un shoot de. Ok, un shoot de course. Ouais. Mais essayez sur vos amis. Vous leur dites, tu veux essayer un shoot de course? Donc ma jauge de vitesse est aussi mon énergie, quoi. Et apparemment, je dois trop me faire toucher. Pour mériter d'avancer à une vitesse correcte. C'est ce que j'en conclus. Faudra que je réessaye ce jeu, en fait, hein, tout simplement. Parce que je suis pas convaincu d'avoir pigé toutes ces subtilités. Ah ouais, on peut rentrer carrément dans les bestioles, mais il y a un prix. C'est vraiment un ovni du schmup, ce truc. Ces gens sont complètement fous. Il y a des zombies. Je suis très très heureux de vous faire voir ce jeu, en fait. Parce que ce genre de truc, on en parlerait avec quelqu'un tant qu'il n'a pas vu les images et ne pourrait pas le croire. Il dirait, ouais, mon copain est devenu complètement fou. Il me parle de shmup où on fait la course et il y a des zombies. Oui. Tiens, reprends de la purée. Non, pas des saucisses, ça va t'énerver. Et là, vous lui faites un solo de batterie avec les saucisses dans la purée. En lui disant, mais si, il faut que tu viennes voir ce jeu, il est extraordinaire. C'est un shmup de course avec des zombies. Alors, ce que je me demande, c'est combien de jours il va falloir pour que je m'en remette, en fait. Non, c'est pas drôle ça, j'adore pas. C'est-à-dire, quand j'adore pas, c'est que j'aime pas vraiment, quoi. Tiens, monte. Vas-y. Hey, je suis à fond là. Laisse-moi deviner, 8e.
Yeah! La forêt des morts, est-ce qu'on manque le thème? On va le faire en entier parce que ça mérite d'être vu, quoi, tout simplement. C'est pas super plaisant à jouer. Mais c'est faut le voir pour le croire, quoi. Alors, j'ai des amanites tue-mouches en décor, tout est normal. Les mecs qui ont fait ça sont complètement barrés. Je le dis comme je le pense. Et ma vitesse n'augmente jamais. Elle ne fait que fléchir désespérément. Pour signifier à quel point je n'ai pas compris certaines choses dans ce jeu, je pense. Oh, c'était quoi ça? Oh, heureusement que ça n'a pas eu le temps d'apparaître. C'était. Non, non, non. Non, non, je veux pas. Je veux pas savoir ce que t'es. Ah! Je me suis jeté dessous, je reste un peu. Je commence à faire n'importe quoi. Tout va bien. Dormez. Hurry up. Oui, hurry up, c'est bien ça. Je vais me hurry upper d'ailleurs, regarde. Hop, hop, hop. Super efficace ma tête de mort contre ces morts. Je crois que je ne sers à rien. Je crois que je sers juste à faire rigoler le mort. Il se marre. Il me vomit des boulettes dessus en se disant mais qui est con? Oh la vache. Allez, allez, avance! Sérieux. Point d'interrogation, on est au dernier niveau. Et là, je vais tous les rattraper d'un coup, ça se voit trop. Qu'est-ce que je vous avais dit au début du stream? Il y a un gothique qui en a écrit, ça se voit. Non, barre-toi, barre-toi. Mais rentre la langue, c'est dégueulasse. Non, pas les trucs. Oh, mais je passe comment en plus? C'est juste improbable. Bon, on va bomber comme un porc, hein, histoire de savoir où on va. On va prendre un truc qui ressemble à un vaisseau, ça me rassurera aussi. Ah, c'est revenu la musique de ouf. C'est pas possible, c'est trop bien esquivé le bonus, bravo! De toute beauté! Je vais finir par regarder mon petit dragon avec leur canon. Et vas-y, c'est la force light! J'ai même pas fait gaffe que j'avais changé de véhicule! Celui-ci va beaucoup mieux. Je plaisante. Hein. Il me faut ce BO. Non, j'y vais pas. Allons dans la tour des kobolds. Moi, je. Je suis sans voix une fois de plus, ça fait partie des streams où vous êtes là où vous faites. Je suis en train de vivre une nouvelle expérience, je ne comprends pas tout, je ne suis pas certain de saisir. Mais j'y vais, peur de rien. Et les autres, hop, tout de suite, ils arrivent. Eh, l'autre con, il s'est pris une boulette. Bah, on passe. Il nous reverra plus jamais! Bah, c'est moche pour lui! Alors, les bruits, c'est pas top, hein, quand même. Je sais pas en quelle année on est. On va dire quand même, c'est bien un jeu 90 et compagnie. Il y a une musique quand même. Bah, voilà, on est plus en limite.
Mais les bruitages. C'était les bruitages qu'on a dû leur donner sur un CD de démo, quoi, je sais pas. Mon vaisseau bouge beaucoup trop vite pour me faufiler entre les boulettes, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Ah non, ça faut pas le toucher. Évite les boulons. Et du coup t'évites tous les bonus avec, c'est vachement sympa. Ah, ah, mais c'était quoi cette connerie? Il me fait une misère là. Et en plus ça rebondit sur les rebords. Le calvaire. Le calvaire total. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et les gars, arrêtez de tirer, je fais la course là. Je fais la course. Et oui, et oui. Mais je suis Niquel Yoda. Tu n'as pas reconnu ma peau d'us de bébé à moitié brûlée. En fait, le fait de pas exploser, qu'on est touché par un autre vaisseau qui vous bouscule en fait, c'est super perturbant. C'est même plus que perturbant, je veux dire. Bon, après, il y a le mot chien aussi, ça peut être utile. Non, mais la vitesse de déplacement du vaisseau, je suis persuadé que mon stick sur la borne d'origine, c'est un stick analogique. Parce que là, c'est juste pas possible. Oh, les bruitages, les gars. Et puis, il y a le petit gonz qui pompe à l'intérieur du vaisseau. Ils font pitié, quoi. Je suis désolé, ce jeu est trop... Je vais reprendre mon dragon, je m'entendais bien. Tu vas passer un sale quart d'heure. Ah, la vitesse de tir, merci. Si seulement ça pouvait ne durer qu'un quart d'heure, ce serait déjà pas mal. Hein. Moi, je veux bien passer un sale quart d'heure, mais faut qu'il dure vraiment un quart d'heure. Pas plus. Genre, il pourrait même durer 1 minute 50, ça m'éclaterait pas mal. Tu as été mort? Ah non, non, t'es pas mort. Y'a rien de piège. Et l'autre, il sort son petit vaisseau pour m'allumer à la main. Regardez-moi ça. Avec son petit fusil à la con. Non, mais je rêve. Bande de lâche. Vas-y, attaque sur le côté. Alors. Je vous signale que j'ai un t-shirt, ouais. Qui ne dit pas sur le côté, mais il y a une façon d'attaquer que tout le monde sait que je déteste. Oh, je n'ai toujours rien compris à ce jeu, mais je suis très content. Ça doit s'entendre. Eh, c'est moi le problème, je suis devant, regardez. Quoi, vous avez fini le pique-nique? Vous m'avez rien gardé? Vous êtes dégueulasse, les gars. Nul. Donc il faut refaire ce jeu jusqu'à ce qu'on termine premier code. J'ai rien compris. Et ce qu'on va faire, je vous l'abandonne, ce jeu. Moi, je ne peux pas donner un avis sur ce truc. C'est n'importe quoi. Je vais le mettre dans les sélectionnés, rien que pour le plaisir de faire. Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bon, on va faire un shmup de course. Parce que ça me fait quand même mourir de rire. Sorti de ça, Wrestling fait des très très bons shoot'em up. Je comprends pas ce qu'ils sont venus extrapoler autour de cette idée qu'ils ont dû imaginer géniale sur le coup. Puis peut-être qu'au bout de 6 mois de développement, et quand la moitié du boulot était faite, ils se sont dit « Bon, c'est pas terrible, mais on va pas balancer toutes ces lignes de code. Allez, on arrange ça un peu comme ça, puis ça comme ça, et allez, on fait une borne. » C'est parti, mon gars. Moi, je le sens bien comme ça, ce truc. Parce que, bah, je sais pas pour vous, moi, j'en avais jamais entendu parler en plus.
On va sortir de ça parce que c'était une expérience traumatisante et le stream commence à devenir long. Et donc le chipou chipou, il est validé. Mais voilà, il est validé parce que c'est comme si on avait une collection de choses particulières et qu'au milieu, il y a un truc bizarre. Eh ben, c'est pareil pour Chipou. C'est la même chose. On a une collection de shmup et au milieu, il y a Chipou. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à expliquer. Juste, say, Chipou is there. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. J'espère qu'on va streamer autre chose que du shmup parce que je crois que la série que je viens de faire est passée par toutes les couleurs. Tout le spectre d'émotions qui était possible, qui allait du dégoût au ras-le-bol, au truc injouable, jusqu'aux petites perles, jusqu'à cette chose totalement étrange. Je regarde le service compta. Alors, un nouveau jeu, on peut. Toujours pas. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On va sûrement streamer un shmup demain à 19h, mais vous verrez, on découvre des trucs. Donc, venez, faites connaître la chaîne, partagez-la. Et des gros bisous. Ciao !